Nous votons aujourd'hui le protocole de préfiguration du contrat de plan État-région, ainsi que le volet du plan de relance qui va être affecté à notre territoire, la région Occitanie. Et évidemment, c'est un enjeu majeur puisque ce sont plus de 5,7 milliards d'euros pour les prochaines années qui sont votés, pour un peu plus de la moitié des crédits de la région et le reste venant de l'État. Ce sont des opérations extrêmement importantes sur le territoire qui vont concerner aussi bien des questions de mobilité dont nous allons pouvoir bénéficier au quotidien, que des questions qui vont toucher les universités, les organismes de recherche, le soutien à l'innovation. Et tout cela se fait avec un grand fil conducteur. C'est celui de la transition écologique et énergétique, et également celui de la transition numérique. C'est-à-dire que nous avons voté, dans le Green New Deal, il y a quelques semaines, notre vision du développement territorial et des premières actions. Ces premières actions, elles prennent corps, en particulier à travers ce contrat de plan État-région. Ce sont donc des opérations qui vont pouvoir concerner les étudiants, qui vont concerner les entreprises, qui vont concerner les familles, qui vont transformer notre quotidien, puisque le rôle de la région Occitanie, bien entendu, c'est de protéger ses habitants et de construire son avenir.